Bien, monsieur, je dois vous dire, répondre, et très clairement, que nos rapports avec l'Angleterre sont très bons. Après une période d'éclipse, surtout au moment du voyage du président Caetano à Londres, maintenant nous sommes vraiment dans très bon terme avec l'Angleterre, qui c'est notre plus vieux allié, et j'ai eu la possibilité de m'entretenir à plusieurs reprises avec M. Callaghan sur les problèmes qui nous sont communs. L'Angleterre est au courant du chemin que nous sommes en train de faire dans le chemin de la décolonisation, et ils nous ont aidés beaucoup. Alors, je ne peux pas faire abstraction de tout cela quand je constate que le problème de la Rhodésie, ça signifie la rébellion contre la couronne britannique d'un pays, si vous voulez, qui est gouverné par une minorité raciale blanche contre la majorité de sa population. Après vous dire cela, je dois aussi reconnaître qu'il y a des rapports économiques très importants entre le Rhodésie et le Mozambique. Nous avons eu l'opportunité de discuter de ces rapports avec nos amis de Frelimo au moment des conférences des négociations de Lusaka et même pendant les négociations en Dar es Salaam.